sais quoi, Marcel? Tu as raison. Rebecca. C'est vrai, j'ai pas été tout à fait honnête. Il est plus que temps que le monde apprenne la vérité sur mon très cher frère Klaus Michelson. Oui, c'est mon frère. Et je lui ai été fidèle, je l'ai aimé, je l'ai soutenu. Mais personne n'a souffert de ses accès de colère autant que sa propre sœur. Il prétend qu'il agit uniquement pour prendre la défense de sa famille, mais c'est un mensonge! Le poison est en train d'agir. Tu n'es pas dans ton état normal. Laisse-la parler! C'est ça. J'ai besoin de parler. Même si quand je dis quelque chose qui te contrarie, tu me plantes une dague en plein cœur. Comme vous pouvez le constater, mon frère ne peut supporter la vérité. Il refuse de se rendre à l'évidence. Il détruit tout ce qu'il touche. Tu es un monstre. Tu as tué notre mère. Tu as massacré tes deux pères. Tu nous as tous enfermés dans des cercueils durant des décennies. Tu nous as brisé le cœur. Tu nous as empêchés d'avoir la chance de trouver l'amour uniquement parce que tu ne l'as jamais trouvé, toi. Je vous envie tous d'avoir pu vous libérer de son emprise. Le destin ne m'a pas accordé cette faveur. Je suis enchaînée à lui. Non pas parce que c'est mon créateur, mais au nom d'un fichu pacte que nous avons conclu alors que nous n'étions rien de plus que des enfants. Et si je pouvais le faire souffrir autant que j'ai souffert? Que nous avons tous souffert! Eh bien, je crois qu'on en a assez entendu. Avez-vous pris une décision ?